Après plusieurs mois d'absence sans vidéo, je suis de retour. Mais si tu veux, c'est pas ça. Avec le travail, tout ça, j'ai vraiment pas eu le temps de tourner tout ce que je voulais tourner. En plus, je suis en train de changer. Bah, j'ai pas mal d'idées. Et ces idées-là, j'arrivais pas à les mettre en place. Donc, du coup, ça m'a un petit peu ennuyé. Je me suis dit, bah, ça sert à quoi de tourner, en fait, si tu fais pas la vidéo que t'as envie. Simplement, c'est ça. Après, j'ai eu pas mal d'idées de vidéos à faire pendant les congés. Je suis tombé malade comme une grosse merde. Et ouais. Comment dire? En gros, je partais 3 semaines. Et je devais te lancer la vidéo. Je vais tester les shorts, charbonner les shorts pendant 3 semaines et voir ce qui en est. Je mettais, en fait, je comparais, je te mettais tous mes abonnés en tant que YouTube, Insta et TikTok et je balançais exactement les mêmes vidéos, enfin les shorts et je voyais un petit peu ce que ça allait faire sur la chaîne, est-ce que ça allait avoir un gain bénéfique ou pas? Bon, prendre des abonnés, c'est sûr que ça va prendre des abonnés, mais est-ce que ça m'apportait des vues sur mes autres vidéos, tout ça et... Alors, en fait, je te faisais un truc global, je pense que ça pouvait être sympa. De toute façon, ça reste dans un coin de ma tête, hein. J'ai l'intention de le faire, mais ça reste dans un coin de ma tête. Et, bah voilà, tu vois. Du coup, et vu que je suis tombé malade, bah c'était niqué. Bah ouais, je te dis, ça m'a saoulé en fait. En gros, je suis tombé malade, si tu veux. J'ai bossé en fait. Je bossais la nuit. Le soir même, après le taf, on est parti en vacances. On est arrivé là-bas sur les coups de... Quoi, 8 heures au matin? Sauf qu'arrivé là-bas, au lieu d'aller me rallonger, bah du coup on a bougé un petit peu, tu vois. Ah bah ouais, attends, plus le temps qu'on attend ces vacances. Ah, quand tu commences à être daron, tu fais attention à ce que tu dis, tu vois. Et ouais, arrivé là-bas, le midi, on a retrouvé mes parents. Et le midi, on est parti manger là-bas. Ouais, sauf qu'on nous a placés en dessous d'une clim, tu vois. J'ai toujours pas dormi. J'étais mort. Bon, ça va, c'était bon. Mais j'ai commencé à tomber malade. Je me suis mis à tousser énormément. Sauf que ça a entraîné que dans la... Bah, ma gorge a été tellement irritée, il y avait tellement de... Ah, c'est dégueulasse ce que je vais dire, mais il y avait carrément des gros trucs tout dégueulasses jaunes là à l'intérieur, tu vois. Ah, je me mouchais pas du tout, hein, mais c'était juste bien, bien chargé, sauf que je m'étouffais pendant la nuit. À plusieurs reprises, j'avais l'impression de crever la nuit. Ça a entraîné des quintes de toux, et j'ai mes yeux qui se sont remplis de sang. J'essaierai de te mettre une photo, si j'y pense. Et si j'arrive à flouter aussi le petit, parce qu'à côté il y a le petit, mes yeux se sont remplis de sang, j'ai des vaisseaux sanguins qui sont pétés dans mes yeux, tellement j'avais des quintes de toux, et ça passait pas. Du coup, je me suis retrouvé un petit peu aux urgences, parce que bah c'était de pire en pire. Il n'y a aucun médecin qui voulait s'occuper de moi, tu vois, ils ont vu ma gueule, ils ont dit, non, c'est pas possible. Non. Je me suis retrouvé aux urgences. Et là, pas, t'aurais vu le médecin qui s'est occupé de moi. Là, je pouvais rester malade. Je suis un putain d'enfoiré. Mais, non, en fait, voilà. Ils m'ont dit, en fait, monsieur, on peut rien faire, faut attendre. Ah là, en gros, tu peux crever, quoi. Non, c'est juste que, apparemment, c'était pas soignable. Enfin, ils pouvaient rien donner, tout ça, que ça allait peut-être passer. Donc, pour te dire que les vidéos que je voulais tourner en vacances, c'était mort. Moi, je me suis fait des photos personnelles, je me suis dit, bon, bah, tant pis, les vacances, c'est pour moi, et puis, à la rentrée, on recommence. On recommence les vidéos, on va recharbonner les vidéos. C'est ce que je fais. Là, j'ai rien écrit. Là, derrière, t'as le PC. D'habitude, la caméra, je la pose là. Là, à côté, tu vois, où il y a la main. Je pose la caméra là, moi je me décale et je mets mon fond. Sauf que là, tu vois, il y a le PC où j'écris mes textes, où j'ai tout, bah voilà, quand j'ai quand je fais du cinéma, quand je parle de certains trucs, j'ai toutes mes notes sur le PC directement. Et là, il y a rien. Et ouais, c'est l'envers du décor, tu vois. Là derrière moi, il y a les jeux que je vais finir, que je vais faire en live. J'ai la play que je dois, ouais, là, à cet endroit-là, je dois remettre la play, la PS5, parce que j'ai des idées de vidéos aussi avec la play. Donc, ce qui va se passer, là, je te dis clairement ce qui va se passer sur la chaîne, il va y avoir un petit changement. Au lieu de partir que sur du gaming, que sur de l'humour, que sur du cinéma. Parce que ben voilà, j'ai essayé. Enfin, c'est pas question que j'ai essayé. C'est question que là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 20 ans. Ça se voit, j'ai une gueule de 20 ans. Enfin, depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je l'ai faite, mes 20 ans. Mais j'ai envie de m'amuser. Ah, j'ai suivi certains youtubeurs et qui sont en train de se lancer de plus en plus et qui se lâchent. Et c'est ça que je kiffe, en fait.
Ah, je kiffe tellement que j'ai suivi là pendant les congés, sérieusement, j'ai pas suivi beaucoup de youtubeurs, j'en ai suivi 2-3. Principalement, j'ai suivi la boiserie. Ah, laisse tomber, ce mec, il pose ses boules sur la table, il veut te dire merde, il te dit merde. Et ça, c'est des personnes que j'aime bien, tu vois. C'est une personnalité que je kiffe. D'ailleurs, j'étais à côté de chez lui en vacances. J'étais pas loin. Ouais, j'étais pas loin de son château pendant. Je me suis dit, bon, c'est bon, tu vois. En plus, j'ai organisé un meeting, un week-end, tout ça. Je regarde ma femme. J'ai femme. Enfin, non, je lui ai pas dit ça, sinon après, elle m'avait dit, on fait plus kékette. Et puis là, après, j'aurais fait. J'aurais été triste. On m'a dit, on kékette plus. D'ailleurs, parlons de ça. Je suis en manque. Non, du coup, je lui ai dit, ça serait pas mal qu'on va faire un tour. En plus, c'est gratuit, tout ça. Enfin, même si c'était payant, c'est à côté, et je me suis dit, bah alors, on va bouger. Sauf qu'il fallait traverser la France pour aller à son week-end. Ouais, franchement, j'avais la flemme avec un bébé de faire la route. Ah, j'étais déçu. J'étais déçu. T'imagines, j'étais à côté d'un mixem, à côté de la boiserie. Enfin, j'étais pas trop trop loin. Maximum, t'avais une heure et demie de route. J'ai bon, bah, on va se faire plaisir pendant ces vacances-là. Ah, c'était mort. Ah, c'était mort. Oh, t'inquiète. J'ai pas décidé de lâcher, je lâcherai jamais. Là, j'ai un projet. Madame m'a dit à 100 000 abonnés. Je suis en train de partir totalement en couille, en fait. Je suis en train de raconter ma life, en fait. Je vais te raconter mes vacances. Ça va faire 10 minutes que je tourne. Je suis en train de te raconter ma life. Ouais. En fait, si tu veux, je suis en train de négocier avec madame. Pour partir du Nord. Je déteste le Nord. Enfin, j'aime pas ça. J'aime pas la mentalité qu'il est en train de prendre. J'aime pas. En gros, j'ai l'impression que plus ça avance et plus ça fait misère. Toi, tu te bats, tu fais 200 heures, 240 heures par mois, et du coup, en fait, bah voilà quoi. Toi, tu travailles et puis on te le reproche parce que toi, tu travailles. Et ça, j'aime pas ça. Parce que du coup, je gagne. Je vais pas dire bien ma vie, mais on est confortable. Mais je fais mes heures pour être confortable en fait. Voilà. Donc du coup, bah j'ai pas envie de rester là. Et je suis en train de négocier avec madame. Et madame m'a dit, bah écoute, tu vas être youtubeur. Je dis, bah j'y suis un petit peu déjà quand j'approche les 1000 abonnés. Elle me fait. Il en faut beaucoup plus. Je fais combien? 10 000? 100 000? 100 000 abonnés, on peut en négocier pour déménager. Donc mon objectif, on va tryhard les 100 000. Mais j'ai pas envie d'arrêter à 100 000, tu vois. J'ai envie de lui poser sur la table en disant, tu vois, je les ai explosés. Donc, on va tryhard. On va tryhard. On va tout faire pour les avoir. On va exploser. On va faire du gaming. On va faire de la cuisine. On va faire de tout. On va faire de l'humour. On va sortir. On va aller faire de l'urbex. Franchement, tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Sauf que je vais charbonner les vidéos. Il va peut-être en avoir une par semaine. Il va peut-être en avoir deux. Il y aura peut-être des mois où j'en aurai une tous les jours. Non, en plus de ça, je vais charbonner les shorts. J'ai des idées de shorts, en fait. Je me suis dit, mais ça va cartonner, ça. Enfin, pour moi, ça va cartonner. Donc, j'ai tellement d'idées que j'ai pas l'intention d'arrêter. Tu vois, là, je suis en train de te faire une vidéo, j'ai pas l'intention de la couper non plus. Bah, il y aura peut-être des petits cuts parce que je suis en train de chercher mes mots par moment. Et puis, il y a aussi la batterie qui, j'ai oublié de la recharger. Ça aussi, c'est con. Donc, comme je te le disais, et comme je te le redis, je vais charbonner un petit peu plus les vidéos. Bon, j'ai envie de faire plein de choses, tu vois, on va voir des animaux, j'ai envie de te montrer, j'ai envie de. On va dans un parc d'attractions, bah, j'ai envie de te faire des vlogs, je te ferai des vlogs, j'ai envie de faire pas mal de choses. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lâcher? J'ai regardé Bousy, j'ai regardé la boiserie, j'ai regardé un peu Magla aussi. Ah, Magla, elle nous fait des concepts de zinzin en ce moment, j'aime bien. J'aime plutôt bien en fait. Et plutôt que de me renfermer dans un seul truc, je me suis dit, bah écoute, au début, je vais faire pas mal de choses, et puis après, bah, s'il y a un truc que j'aime plus que d'autres, bah, je me spécialiserai peut-être dedans. Donc c'est vraiment ce que j'ai l'intention de faire. D'ailleurs, même si j'étais malade, je voulais quand même essayer de te faire des petits vlogs. Donc je t'explique. Je faisais de l'urbex. Enfin, je suis parti faire de l'urbex avec Caro Urbex il y a quelques. Bon, maintenant ça date, hein, il y a quelques années maintenant. Et bah, j'avais un micro pour poser au-dessus de la caméra. Hein. Un petit micro. C'est pas de la marque, mais c'est le micro de la caméra. Tu vois, tu mets par-dessus, au moins t'as un bon son. Et si tu veux, Carole, elle avait pas mis son micro. Donc du coup je fais bah t'inquiète, moi je prends pas ma caméra, prends la tienne, on va mettre mon micro sur la tienne. Ah, ça allait nickel. Sauf que bah, pendant le trajet, elle l'avait pas fixé ce micro. J'ai dû piler. Ah bah écoute, quand tu dois freiner, tu freines, tu vois. Et sauf que là, j'ai dû piler. Bah le micro, il était pas attaché. Le micro, il s'est fracassé au sol. Il était juste ouvert. Franchement, j'ai de la chance, c'était juste ouvert là sur le bout. Sauf que. En fait, c'est une vidéo anecdote, c'est pas que je suis revenu de vacances, etc., que je reprends. C'est une vidéo anecdote. Sauf que là, bah,
je me suis dit, j'ai une chérie, tout ça, moi, avec mes grosses paluches. Ouais, avec mes grosses paluches, j'arrive pas à être délicat. Là, elle, elle a des petits doigts, des doigts tout fins, tout ça. Coquine, ouais. Des doigts tout fins. Et, bah, je me suis dit, elle va savoir peut-être me le recoller, tu vois. Elle va savoir peut-être le remettre. Sauf qu'elle a su le remettre. Mais j'avais pas pensé qu'il fait trop chaud et que je suis avec un bonhomme parce que quand elle te met la fessée, tu la sens passer. En fait, si tu veux, la colle, elle s'est mise à l'endroit où tu recharges ton micro. Ah là, voilà, vie de merde. Non, parce qu'en fait, je devais te montrer qu'on a été au zoo des sables. On a été voir un aquarium, tu vois. Je te faisais un beau petit vlog. J'avais déjà pensé au petit truc, tu vois. Je revenais derrière moi. T'avais les images, tout ça, tu vois. Fin de l'histoire. C'est fini. Donc en fait avec la chaleur en fait c'était super bien fait hein. Sauf qu'avec la chaleur la colle elle a coulé à l'endroit où tu recharges le truc. Donc après j'ai essayé de le gratter et tout ça. Sauf qu'au niveau des branchements bah c'est foutu. Je suis dégueu. Parce que je l'ai rechargé juste avant de partir en vacances, je l'ai rechargé là-bas. Je me suis dit on va faire des images de zinzin. Ouais, des images de zinzin, ouais. Ah, j'ai pris la perche pour faire des TikTok, j'ai pris la... Enfin, pour faire des shorts, j'ai pris la caméra, j'ai tout pris. J'ai pris les micros, j'ai pris la PS5, que je devais pas la prendre. J'ai pris la PS5, que je voulais faire des lives, tout ça. Et je pouvais pas parler parce que je m'étouffais. Je pouvais pas faire des gros plans parce que j'avais mes yeux en sang. Donc du coup, je vais me remettre sur un petit short, tu vois. Ouais, bah fuck, en fait, la vie, quand elle te dit merde, c'est merde. Hein. Bon, après, voilà, tu vois, c'est pas question que je me plains, enfin si je me plains, mais c'est pas question que je me plains tout ça, c'est question que j'ai quand même passé de très bonnes vacances. Ah bah t'as ta femme avec le sourire, t'as le bébé avec le sourire, et ça a pas de prix tu vois. Même si on serait resté là, je les aurais vus avec le sourire tout le temps, mais j'aurais été content. Sauf que là, bah, ça a quand même fait peur. J'ai dû... Ah moi je m'en fous tu vois. Mais je me dis derrière, il y a le bébé, il y a ma chérie qui sont là et qui sont en train de s'inquiéter pour moi. Et c'est ça qui me dérange un peu. Donc là, moi, ce que je propose, c'est que cette année, fin 2024, début 2025, on déchire tout. Et quand je te dis on déchire tout, on déchire vraiment tout, tu vois. On explose les compteurs. Que ce soit les abonnés, que ce soit les vues, on explose tout. J'ai l'intention d'acheter une nouvelle maison. J'ai l'intention d'avoir un studio d'enregistrement. Et on va tout faire pour. Principalement, c'est ça. On va tout faire pour. On va avoir un truc insonorisé, histoire de dire qu'on fait des putains de vidéos. Moi, j'aurai mon petit coin, ma femme, elle aura son petit coin, le bébé, il aura sa salle de jeu, et on va kiffer. Donc, voilà. Cette année, c'est un petit peu ça, les projets. J'ai déjà rendez-vous mardi à la banque, on verra bien si ça se passe bien ou si ça se fait pas. Il y a pas mal de projets en cours. Et par contre, tu vois, je te partagerai tôt. Que ce soit en short, que ce soit en vidéo, que ce soit tout ça. Tu vois, il y a des péripéties, mais je te raconterai les péripéties, hashtag 3, parce que ça sera la troisième fois. Ou même s'il y a des travaux dans le logement, je pourrais te faire une vidéo que je fais moi-même les travaux. Donc, en fait, tu vois, j'ai envie de te partager tout. Au lieu de faire qu'un seul truc, j'ai envie de tout te partager. C'est les débuts de la chaîne. Enfin, c'est les débuts de la chaîne. On va dire que je jouais petit jeu juste avant, et là, j'ai envie de jouer gros. Je me dis, si ça marche cette année, ça marche cette année. Si ça marche pas, bah, tant pis. Peut-être je ralentirai YouTube, ou peut-être je ferai juste un petit truc de mon côté. Mais là, j'ai envie de tout déchirer. Donc, je sais pas comment on va faire. Mais j'ai pas mal de projets. Là, tu vois, en fait, je t'ai mis une image. En fond. Parce que, dans le coin là, c'est plein d'idées de vidéos. Il y a déjà une dizaine de vidéos décrites. Mais après, moi, ce que je préfère, c'est quand je te fais une vidéo, c'est que je pars en freestyle. J'aime bien parler comme ça, tu vois. Y a pas d'écriteau, y a pas de ligne directive en fait. Et c'est ça que j'aime bien. Mais pendant les vacances, j'ai même fait du bateau. Ah non, mais quand j'ai dit je vais profiter avec mes parents si tu veux, c'était la première fois que le bébé partait, première fois qu'il voyait la mer, tout ça. Et j'ai dit on va les faire kiffer. On va faire kiffer le bébé, on va faire kiffer les parents. Donc du coup, ils ont tous kiffé. Même si j'étais malade comme un yach, ils ont tous kiffé. Et c'est ça le principal. Bon, j'ai un petit peu abusé des glaces, ça se voit, hein. J'ai pas eu le temps d'aller au coupe-tif. Mais sinon, dans tout ça, on a passé des putains de moments. Donc, je te dis merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Parce que bon, voilà, je reviens. C'est pas forcément une vidéo intéressante, on va dire. C'est juste que pour te dire que je reviens, que j'étais un petit peu malade. Et enfin, ouais, si j'étais un petit peu malade. Là, je vais très bien. Je tousse encore un peu, mais sinon ça va. Et puis, le principal, c'est qu'on va kiffer. C'est pour te dire qu'en fait, si tu vois un jour que y a de la cuisine sur la chaîne, bah c'est normal. Si tu vois qu'il y a des plus grosses vidéos, bah c'est normal. Et en même temps, si je veux déménager, c'est aussi pour mettre du budget dans mes vidéos. Parce qu'il y a certaines vidéos que j'ai envie de faire, mais qu'ici, vu que je paye quand même un certain prix, je peux pas me permettre de dépenser
une certaine somme pour des vidéos, parce que j'ai pas mal d'idées en fait. Que en déménageant, en payant moins cher, enfin en payant moins cher, prenant mon truc à moi, tu vois, je préfère investir dans des trucs à moi, ben je peux me permettre de faire certains concepts. Parce qu'il y a des concepts, je vais investir quand même pas mal d'argent. Et puis j'aimerais bien aussi la changer, cette caméra. Et puis racheter un nouveau micro. Voilà. Comme ça, le micro de stream, tu vois, il restera juste pour le stream et puis il y aura plus de, voilà, j'aurai mon micro de stream, j'aurai mon micro pour aller faire là-bas de la cuisine. Bah, j'imagine un putain d'îlot central, imagine le truc. Voilà, je te fais un live cuisine ou de temps en temps, je te fais carrément une recette en vidéo, tu vois. Moi, je pense que ça peut être sympa. J'espère que toi, tu vas kiffer. Là, je retrouve enfin les réflexes de merde à me rapprocher du micro parce que tu m'entends pas. Bah, normalement, c'est bon, en fait. Tu vois? Tu vois, je suis plus habitué. Donc là, je vais recharger les caméras, les batteries, et puis je vais enchaîner. C'est le week-end. On est samedi. En plus, j'ai pas fait beaucoup de prises. D'habitude, je bug beaucoup, mais là, j'ai pas fait beaucoup de prises. Donc, voilà. Donc, merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, à me faire un coucou dans les commentaires. Moi, je te fais des bisous. Allez, bye tout le monde.